qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Qui est la personne qui t'a mis cette idée dans la tête? Alejandra Altamirano. Elle m'a confirmé que vous... que vous étiez amant. Comment tu as pu croire qu'entre Alejandra et moi? Fiston, si elle m'intéressait encore, dans ce cas, je me serais marié avec elle, pas avec Irène. Ça n'a aucun sens. C'est sûr, je te comprends, papa. Il y a des femmes à épouser. Les autres, pour... Tu sais bien. Non, je ne sais pas. Et dorénavant, tu me feras le plaisir de ne plus parler ainsi des femmes. Moi, je ne suis pas un homme habitué à sortir avec deux femmes à la fois. Crois-moi, j'ai épousé Irène et c'est la femme que je veux, pour l'éternité. Mais je dis pas que c'est moi qui ai pensé à tout ça, papa. Elle m'a assuré, je jure, que vous étiez ensemble. C'est pas vrai, Léo. Alejandra te ment par désespoir. Elle n'accepte pas qu'entre elle et moi ce soit terminé. Et si je l'ai gardée dans l'entreprise, c'est parce que c'est une femme vraiment efficace et très professionnelle. Oui. Bon, t'as raison, papa. C'est de ma faute. Je te demande pardon. Si tu veux, je parle avec Irène, papa. Même si elle m'a dit qu'elle n'y croyait pas, qu'elle a confiance en toi. Eh bien... Si tu veux, je parle avec elle. Non, tu n'as pas besoin de parler de ça avec elle. Mais je veux que tu lui présentes tes excuses pour la manière dont tu lui as parlé hier soir. Elle ne le méritait pas. Oui, papa. T'as raison. Qu'est-ce qu'il y a, Maribel? Ah, Tony, une tablette très chère a disparu de la salle de réunion et on ne la retrouve pas. Tu en es certaine? Oui, bien sûr que j'en suis certaine. C'est à Monsieur Casares. Hein? Cet homme est furieux, je crois qu'il va me tuer. Non, 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 c'est terrible. On la cherche, mais on la trouve nulle part. Non, on ne trouve rien. Dis-moi, en quoi je peux t'aider? Ah non, je sais pas. Mais si, je sais. On va chercher les enregistrements de la salle de réunion, on va faire ça. Non, la salle de réunion n'a pas de caméra, Maribel. C'est un endroit non accessible où on fait des réunions très confidentielles. Pour cette raison, il n'y a pas de caméra. Mais on peut demander un rapport sur les entrées aux hommes de la sécurité qui se trouvent au scanner, là où ils passent les sacs et les portefeuilles, tu vois? Oui, mais ça ne prouverait rien, Tony. En plus, il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui ont des ordinateurs similaires aux siens. Mais alors, je ne sais plus comment t'aider, Maribel. Désolé. Les offres d'emploi? Qu'est-ce que c'est, Tony? Tu cherches un travail? Je ne vais pas te mentir. Mais je pense sérieusement à démissionner. Qu'est-ce qu'il y a dans ces papiers, hein? Mais écoute, ok, mais ça ne sera pas facile. Tu sais, si Felipe s'en rend compte, il va tout de suite me suspecter. Tu ne sais pas que dans ce bureau, il y a seulement lui et moi? D'accord, ne sors pas le document. Ça me suffit de savoir ce qu'il contient. Je ne sais pas, fais une copie,
Prends une photo avec ton portable, fais ce que tu voudras. Mais j'ai besoin de savoir exactement ce que contient ce document. Sois créatif. Bon, on va voir ce que je peux faire, ok? Fais ce qu'il faudra. Mais moi, j'ai besoin de savoir exactement ce que contient ce document. Je vais très bien te récompenser. Tu vas gagner beaucoup Martin. D'argent. Eh, oui, Madame Renza. Alors, entendu, je vous apporte ces documents demain matin, quand ils seront tous vérifiés. Bien sûr. On doit se dépêcher si on veut aller au rendez-vous, ok? Oui, excuse-moi, c'était Madame Renza qui voulait que je vérifie quelques documents. Et... On part? Je ferais mieux de laisser les papiers dans un lieu sûr. Démissionner? Et pourquoi ça? Tu as toujours été ponctuel au travail, tu as toujours bien fait ton travail. Ben, je sais, quelqu'un te cherche des problèmes dans l'entreprise. Non. Non, tu sais que c'est le meilleur travail que j'ai jamais eu. Et alors quoi? Ah, Tony, ne me dis pas que c'est à cause de moi. Non plus. Je ne mélange pas les choses personnelles avec le travail. D'accord, mais dis-moi ce qui se passe. Il s'agit de Madame Altamirano. Elle croit que parce que je lui dois une faveur, elle peut me traiter comme un esclave. Et elle m'oblige à faire des choses que je n'aime pas, des choses malhonnêtes. Ah oui? Et qu'est-ce que t'oblige à faire Alejandra Altamirano? Écoute, Tony, tu peux me faire confiance, je ne dirai rien. Je connais très bien Alejandra Altamirano. Bonjour. 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 Maribel, comment ça va? Comment allez-vous? Moi, très bien. Je vous trouve très en beauté. Ah, merci beaucoup. Enchanté de vous connaître. Enchanté, excusez-moi. Oui, bien sûr, je vous en prie. Je peux vous renseigner? J'aimerais savoir si vous faites quelque chose pour trouver les voleurs de ma tablette. Oui, on travaille là-dessus et on essaye de résoudre cette affaire. Bon, et qu'est-ce que vous attendez pour la retrouver? Parce que c'est de votre responsabilité. Et j'ai besoin de récupérer ma tablette tout de suite. Ok. Vite! Bébé, c'est maman. Tu sais que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Et j'ai besoin de toi. Je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi parce que j'étais une mère surprotectrice. Fatigante. Et je sais que tout ça ne t'a pas aidé, que tu n'aimes pas. Et tu te sens inutile, mais tu n'es pas inutile. T'es pas inutile. Tu es un fils très utile. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon bébé. Pardonne-moi. Je ne supporterai pas de perdre un autre fils, non. Je ne le supporterai pas. Je veux pas te perdre. Oh, bon sang. Je veux pas le perdre, pas encore. Irène, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'urgent. Ah, Maribel, avec ces quelques mots, tu me donnes pas envie de t'écouter. Alejandra Altamirano est mêlée à cette affaire bien plus qu'on ne le croyait. Maribel, on va laisser cette histoire de côté. Je vais parler à Leonardo pour qu'il s'en occupe. Irène, quelqu'un de bien est impliqué à cause d'elle. Quelqu'un de bien, tu es sûre? Oui, un ami. Allez, Maribel, raconte-moi. Tu te souviens de mon ami Tony de la sécurité? Eh bien, elle lui demande de faire des choses illégales. C'est sûr qu'elle a quelque chose à voir avec la grossesse d'Oriana. Ah, Maribel, franchement, j'en ai assez. Je ne veux plus de problèmes. C'est déjà beaucoup trop compliqué. Non. Laisse-moi te raconter. Écoute, rapidement, je vais faire ça très rapidement. D'accord, c'est bon. Dis-moi, bon. Mais parle clairement, parce qu'on a l'impression que c'est incohérent et je n'ai pas le temps. Eh bien, en fait, j'en suis pas certaine, mais voilà ce que je suspecte. Je crois qu'elle a demandé à Tony de mettre enceinte Oriana pour qu'elle refourgue l'enfant à Léo. C'est sûr que c'est ça. Maribel, bon sang, non. Non. Léo n'a jamais douté que le bébé soit le sien. Léo est vraiment certain de ça.
Ah oui, c'est vrai, j'exagère. Mais en fait, Tony allait me raconter son secret et Monsieur Cazares est entré. Et bon, il m'a dit qu'il me raconterait plus tard, mais Irène, je te promets que je vais le découvrir parce que je vais tout faire pour le faire parler, parce que je suis Maribel Cruz. Oh, aidez-moi, mon Dieu. Écoute, mon ami, on va laisser les choses comme elles le sont, d'accord? Ne cherche pas de problème avec Alejandra, tu as tout à y perdre. Irène, mais c'est injuste, mon pauvre ami Tony, elle doit le torturer, j'en ai marre de Maribel, tout ça. Maribel, fais ton travail. Focalise-toi sur tes cours de formation et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. T'essayes de me gronder? Non, Maribel, non, mais... Mais s'il te plaît, laisse-moi parler avec Leonardo, il saura comment régler les choses. Je t'en prie, concentre-toi sur ton travail. Bon, d'accord, je m'en vais. Maintenant, j'ai mon cours de statistique et... Je sais rien, mais tu me connais. Je fais ma tête de celle qui sait. Maribel, tu ne changeras jamais. Bon, va alors dans ta classe. Mais on n'y va pas ensemble? Non, je peux pas. Je viens de recevoir des rapports d'investigation. Leonardo veut les vérifier immédiatement. Je vais les imprimer pour qu'il les ait à la première heure. Bon, mais ne tarde pas trop alors. Et si tu sais quelque chose sur Monsieur Carlos Ernesto, tu me préviens. Oui. Ciao, Irène. Ciao. Tu sais, tu es un fils merveilleux. Et ta mère t'aime beaucoup. Tu sais pas ce que c'est. Ce que je ressens en perdant un autre fils. Je pourrais pas vivre sans toi. Je sais que... Mon Dieu, il ne méritait pas ça. Je sais que tu ne mérites pas. Tu es un fils merveilleux. Mais je dois te gronder. Quand tu rentreras à la maison, je vais te gronder. Parce que tu vas rentrer avec moi. Tu peux pas partir, tu peux pas mourir. J'ai besoin de toi, mon fils. J'ai besoin de toi, c'est ta maman. Écoute-moi, c'est moi. Je ne supporterai pas une autre douleur comme celle-là. Mon garçon, réveille-toi, réveille-toi. Ne t'en va pas, mon amour. Mon amour. Tony, mais tu viens me voir de plus en plus souvent. Tony, tu es un employé exemplaire, modèle. Et j'ai même pensé à te promouvoir. Mais aujourd'hui, tu es devenu un problème. Écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais vous savez que j'ai toujours fait mon travail avec responsabilité et efficacité. Mmh, oui, oui, c'est possible. Je t'ai demandé un service et que ça reste secret. Et qu'est-ce que tu as fait? T'es allé le raconter à cette pourriture de Maribel, qui aurait déjà dû être virée depuis longtemps. Un moment, madame, je n'ai rien dit, c'est la vérité. Si, je sais que tu lui as dit, tu lui as dit. Et ne me mens pas, ne me mens pas, Tony. Parce que tu sais quoi? Tony, justement, tu vois, j'étais en train de lire ton dossier. Antonio Armas. Et il se trouve que j'ai trouvé plusieurs choses très intéressantes, Tony. Je vois que tu as une bien belle famille. Tu as ta maman. Oh, c'est mignon! Ta sœur vient d'avoir un petit bébé. Ah, oh, Tony, je ne crois pas que ce soit le moment pour que tu te retrouves sans travail. Pas vrai? Surtout parce que... Ah, mon grand, une lettre désobligeante de ma part te ferait perdre ton travail. Tu ne pourras plus travailler dans une entreprise respectable. Tu devras t'en aller de la ville. Tu devras aller dans un autre pays. Et ce n'est pas ce que tu veux, Tony, n'est-ce pas? Non. Bien sûr que non. J'aime mieux ça. J'aime beaucoup ce ton de soumission et de franchise. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant, Tony. J'ai besoin que tu me rendes un service pour me montrer ta loyauté. Une petite faveur, un peu spéciale. Hmm? Dites-moi, madame. Thank you.
Allez, on se concentre, les enfants. Il faut faire ses devoirs. Vous devez terminer vos devoirs. Consuelo, plus tard. Pour l'instant, Madame Trinidad va continuer à nous lire le conte. Oh. Je vais être mousquetaire. Wouh, wouh, wouh. Les filles ne peuvent pas. Pourquoi? Je sais pas, mais elles peuvent pas. On peut savoir ce qui se passe? Ce soir, Trinidad va continuer à nous lire le livre. Tous pour un... Et un pour tous. En fait, les enfants sont fascinés par Madame Trinidad, la maman de Madame Irène. Et moi, je suis fatiguée. J'en ai assez de faire la discipline et l'ordre dans cette maison. Ah, on dirait que depuis qu'est arrivée Irène, ici c'est le chaos, non? Bon, Irène et sa maman. J'attends avec hâte que cette femme s'en aille, avec sa maladie et sa mauvaise humeur. Ah, oh, mais Madame Trinidad est une personne vraiment charmante, une très belle personne. Je pense vraiment que... Je te remercierai de ne pas penser, Consuelo. Je t'ai dit 1000 fois, ne pense pas. D'accord. Allez-y, entrez. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez les enfants, on y va. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. On s'en va, allez. Les devoirs, les devoirs. Ah, Agustina, pardonne-moi d'être venue sans prévenir et excuse-moi aussi pour la gêne que ça peut occasionner. Non, 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 non. Tu ne me déranges pas du tout, Adolfo, pas du tout. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma tablette. Et plus j'y réfléchis, et j'y repense, et j'y repense, et je réfléchis, et je me souviens, je n'ai pensé qu'à toi. Tu es la seule personne... qui soit resté dans mon bureau. Agustina, pour l'amour de Dieu, réponds-moi avec une totale sincérité. Tu sais quelque chose sur mon ordinateur portable? C'était difficile? Difficile, non, Adela. Mais ce qu'on fait est illégal. Je sais! Mais je n'avais pas le choix. Ah, et s'il te plaît, ne t'avise surtout pas à raconter tout cela à Leonardo. Tu sais comment il est? Toujours correct. D'accord, mais vous aviez raison sur le contenu. Ici, il y a des documents qui nous permettront d'accuser Cazares de nombreux délits. Bon, je le sais, mais on doit être très prudent. S'il découvre qu'on connaît son contenu, on se retrouverait dans de graves problèmes. Ah, bonjour, Léo. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que vous disiez? Et toi, que fais-tu ici? Il s'est passé quelque chose au travail? Non. Non. Alors, vous allez me le dire. Qu'est-ce que vous mijotiez tous les deux? Rien. Rien. Agréable et travailleuse. J'aime cette association. Tu travailles toujours aussi tard? On va dire qu'aujourd'hui, c'est un jour où tout est compliqué. Après tout ce qui est arrivé à Carlos Ernesto, on fait face à de nombreux imprévus. Bien sûr, je comprends. Je veux dire que cette entreprise n'envisage pas d'autres éventualités. Je sais pas si tu l'as appris, Irène, mais Monsieur Cazares s'est fait voler sa tablette dans son propre bureau. Il la recherche, mais apparemment, personne ne sait rien. Non, je le savais pas. Et je trouve ça étrange parce que dans ce bureau, il ne s'est jamais passé une chose pareille. Et encore moins dans celui du président. Bien, il y a toujours une première fois. Et c'est pour ça que je rejoins Adolfo quand il dit que dans cette entreprise, il y a beaucoup de choses à changer. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense rien. Mais si vous avez une quelconque plainte, je vous suggère d'utiliser les codes habituels. Écrivez une note et apportez-la à... Apportez-la à Monsieur Leonardo pour qu'il la signe et qu'il ouvre une enquête. Tu allais dire, mon époux. Mais ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Tu peux le dire, ou bien tu as peur que je pense que tu défends l'entreprise parce que ton mari en est le président. Je défends cette entreprise parce que c'est ici que je me suis formée et que c'est ici que je travaille. Franchement, je m'en fiche de ce que pensent les autres. Excusez-moi, mais je n'ai pas envie de poursuivre cette discussion. Au revoir. Cazares avait raison. Dans cette entreprise, tout est fichu. Mais tu sais quoi, Irène? Je suis un homme
heureux, optimiste, très positif. C'est pour ça que j'apprécie que cet incident me permette d'être en présence d'une belle femme. Il devrait déjà savoir qu'on est ici. Sauf si le système de sécurité fonctionne comme le reste de l'entreprise. Bon, mais ne me regarde pas comme ça. Adolfo a raison quand il dit que dans cette entreprise, rien ne fonctionne. Si vous n'aimez pas comment fonctionne cette entreprise, alors qu'est-ce que vous faites ici? C'est justement ce que je veux changer. S'il vous plaît, ne me harcelez pas. C'est bon, je ne parle plus. Il y en a qui disent qu'on est plus beau quand on se tait. Alors dans votre cas, c'est certain. Par contre, toi, quand tu parles mal, tu es toujours aussi belle. Tu sais, au moins je suis content parce que je vais passer ici un bon moment avant qu'ils se rendent compte et qu'ils viennent nous chercher. Et je te l'avoue, j'espère qu'ils tarderont. Stop. Arrêtez. Pas de réseau. Super. Maintenant, on les laisse dans cet ascenseur. D'accord, mais voyons, madame, il s'agit de la femme du patron et du nouveau gérant. Et mon travail est d'aller les chercher, pas de les laisser enfermer. C'est moi qui décide de ton travail. Bon sang, madame, vous savez qu'on peut me virer pour ça, pas vrai? En plus, quand il se passe une chose pareille, le système envoie une alarme immédiatement et on reçoit un signal. Eh bien, Tony, le système ne marche plus. Alors, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas responsable. Vous savez que ce qu'on fait n'est pas correct. Combien de temps on va les laisser là-bas? Longtemps... Oui. Longtemps... Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je le décide. Vous savez que ça peut être dangereux. Et que sa famille peut s'inquiéter si elle ne rentre pas ce soir. Tu te limites à éteindre les caméras de tous ces secteurs et d'éteindre toutes les alarmes. C'est tout. Ok. C'est bon. Mais s'ils se mettent à crier et que quelqu'un les entend et vient me prévenir? Oh, Tony. Quand tu passeras le relais à ton autre collègue, comme d'habitude, il s'en rendra compte, lui. Madame, je vous en prie. Je vous en prie. Ils peuvent me virer pour ça. Eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'ils te virent? Comment? Tant que tu feras ce que je te dis, Tony, tu resteras le superviseur de tout ça. Et qui sait, peut-être qu'on accélérera cette promotion avec une augmentation de salaire et tout. Chérie, qu'est-ce que tu sais sur ton frère? Maman, je t'en prie, ne change pas de sujet. Je vous ai posé une question. Qu'étiez-vous en train de mijoter tous les deux? Ah, rien. Rien, je t'assure. Maman, je vous connais très bien. En plus, pourquoi t'es pas au bureau, toi? Tu as bien insisté longtemps pour que l'un de nous deux reste toujours au bureau. C'est vrai, oui, bien sûr, Leonardo. Mais moi, je suis inquiet pour la santé de mon ami, non? Oui. Eh bien, quand mon fils insiste, il faut lui dire la vérité. En fait, je sais bien que vous cachez quelque chose. Adela, je crois que le mieux est de lui dire la vérité tout de suite. Oui, oui, bien sûr, c'est toujours ce qu'il faut faire. Leonardo, je suis venu parce que je voulais demander à ta mère qu'elle te convainque de retourner à l'entreprise. Oui. On a besoin de notre président à son poste. Et moi, je lui disais que c'était impossible que tu bouges d'ici. Pas avant que ton frère ne se réveille, c'est ce que je lui disais. Juan Pablo, je comprends ton angoisse, mais je sais très bien que les actionnaires vont comprendre. La plupart sont des pères de famille. D'autre part, dès que mon frère sera revenu à la maison, je te promets que j'irai directement au bureau et que je partirai pas tant que tout ne sera pas sous contrôle. Ok? Je ne comprends pas très bien ce que tu me demandes. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cet appareil que tu as perdu?
Je n'ai pas besoin de voler les autres? Non, Agustina, excuse-moi. J'ai pas dit que tu me l'avais volé. Je l'espère. Oui, mais ce qui se passe, c'est que tu es restée seule quand je suis sortie de mon bureau. Tu te souviens? Et alors j'ai pensé, rien. Agustina a vu la tablette et a voulu la garder en lieu sûr. Ah, bien sûr. Mais c'est dommage que ça ne soit pas le cas. Ah bien, c'est étrange, Agustina. Et t'as pas vu entrer quelqu'un d'autre? Il n'y avait pas une autre personne? Peut-être quelqu'un de l'entretien? En vérité, je n'y ai pas pensé, Adolfo. Comme j'avais des choses plus importantes auxquelles penser. Bien sûr, sûrement, oui. J'insiste, car c'est étrange. Oui, c'est vraiment étrange. Parce que figure-toi, Agustina, que dans mon bureau n'entre que mon personnel de confiance et toi. Ah. Eh bien, alors je te suggère de demander à ton personnel de confiance et pas à moi. Parce que je crois, tu vois, que dans ce personnel de confiance, il pourrait y avoir le coupable. Tu ne crois pas? Il tarde beaucoup trop à réagir. Les alarmes auraient dû annoncer qu'on est ici, normalement. Tu te rends compte? Tu voulais pas que je parle mal de l'entreprise, mais c'est pas facile. Je suis en train de parler de failles techniques. Je ne parle pas de ce que vous insinuez. Alors tu reconnais que j'insinue quelque chose? Ah, s'il vous plaît, fichez-moi la paix. Aidez-nous au secours! Venez vite au secours! Irène, je t'en prie, calme-toi, d'accord? Calme-toi, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun employé dans l'entreprise. Il y a peut-être des vigiles. Ils peuvent nous entendre et venir pour nous aider. Si tu le dis. On va faire quelque chose alors. Je ne parle plus. Si tu promets de te calmer un peu. On va rester ici un long moment et au moins, on peut le rendre agréable, non? Qu'est-ce que tu fais ici, Maribel? Tu devrais être chez toi. Comment tu le sais? Regarde. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu as les yeux partout. Tu connais les mouvements de tout le monde, pas vrai? N'exagère pas. Eh bien, oui, en fait, j'étais déjà montée dans le métro et je me suis rappelé ce que tu m'as dit et j'ai aussi pensé à ce que m'a dit mon amie Irène. Je ne dois pas être trop imprudente, mais bon, voilà, je suis venue, je veux te parler. Ah oui? Oui. Bon, tu sais quoi, j'aime beaucoup ta visite, surtout cette surprise, mais je dois y aller, ok? Non, ne fais pas l'idiot. Dis-moi immédiatement quel est ce service si intéressant que t'as rendu à Alejandra Altamirano. Bon, Maribel, c'est une affaire personnelle. Personnelle. Uniquement. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec mon travail, ok? Alors bon... Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ici? Non. C'est une urgence, ça? Non, il ne se passe rien. C'est une urgence. C'est cette alarme qui marche pas, tu vois bien, elle s'est arrêtée. Ah bon, si tu ne veux rien me dire, c'est bon. Tu sais toujours tout, toi. Et si tu sais pas, tu inventes. Tu as vu sortir Irène de l'immeuble? Tu sais où elle est ou pas? C'est si bizarre, maman. Je l'appelle et elle ne répond pas. En plus, elle voulait que je la prévienne de l'état de mon frère et je ne peux pas la contacter. Ah mais écoute, elle doit être occupée. Mais tu peux lui laisser un message sur son répondeur. J'en ai laissé plusieurs, maman. En plus, c'est ce qui me préoccupe. En principe, elle répond toujours immédiatement aux messages. Eh bien, peut-être qu'elle n'a plus de batterie. Moi, non, ça m'arrive toujours. Ça n'arrive jamais à Irène. Elle maintient tout sous contrôle. C'est une personne très organisée. En plus, à cette heure-ci, elle devrait déjà être à la maison. Et comment tu le sais? Parce que j'ai appelé Consuelo et qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas encore rentrée. Ah, maman. Oui. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ah, je t'en prie, mon fiston. Tu sais, les mauvaises nouvelles sont les premières à se savoir. Reste tranquille. Dans un moment, elle va t'appeler, hein? Je t'en prie, fiston. Oui, mais ça m'inquiète beaucoup, tu sais. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Ça n'arrivera pas. Et D'Artagnan, furieux, avait traversé l'antichambre en 3 sauts et s'était jeté dans les escaliers en les sautant 4 par 4. Oh! Ça, c'est difficile. Mm-hmm. Ça te surprend? C'est parce que t'es pas encore un mousquetaire. Mm-hmm. Grand-mère Trinidad, c'est vrai que les 3 mousquetaires,
C'était les meilleurs chevaliers de cette époque? Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours unis. Ils étaient toujours ensemble. Bon, vous vous souvenez du slogan « Un pour tous et tous pour un !» Grand-mère Trinidad, pourquoi on disait les trois mousquetaires s'ils étaient quatre? Ah, c'est vrai que la question de Léna est très intéressante. Bon, c'est toi l'experte. Tu connais l'histoire. Allez, raconte. En fait, D'Artagnan, au début du livre, est un apprenti mousquetaire. Et c'est ensuite qu'il progresse et ils deviennent quatre. Bon, ils étaient quatre comme dans cette maison. Et ils prenaient soin de la reine. Alors ça veut dire que je suis la reine? Bien sûr, mon amour, bien sûr que oui. Tu es la reine. Et tes frères doivent toujours rester ensemble, comme les trois mousquetaires, très unis, pas vrai? Pour te protéger et pour être toujours ensemble. Bah, ce sera pas avec nous. Parce que Julio et Léo se disputent toujours. Ah, mais ce n'est pas normal. Vous avez vu comment votre père se sentait mal l'autre soir? Les frères doivent se soutenir, se respecter, pour se protéger. C'est à ça que sert la famille. Ah, que je suis fière de vous voir ensemble comme des vrais frères qui s'entendent. N'exagère pas non plus, Consuelo. Je l'ai juste emmené, c'est tout. Comment ça va, les garçons? Dites-moi, comment va votre oncle? Eh bien, Tati, grâce à Dieu, il est stable. Bien sûr, parce que le super-héros l'a sauvé. Stop, stop, stop! Arrête ton sarcasme, calmez-vous! Léo s'est bien comporté. C'est pas grave, Consuelo. En fait, je m'en fiche de ce qu'il dit. Et mes frères? En haut, avec la malade. On dirait qu'ils s'amusent beaucoup avec cette femme. J'espère qu'elle leur transmettra rien de mal. Je t'en prie, Tati. L'hypertension, c'est pas contagieux. Irène est là? Non, non, elle est sortie tôt. C'est étrange. Je pensais qu'elle était avec vous à la... clinique. Non, elle est pas passée par la clinique. Bon, tout le temps où on était à la clinique, on l'a pas vue. Quelle horreur! La mère malade, la famille en crise, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle en profite pour disparaître, et va savoir avec qui. Juste ce soir. Juste quand ma famille a besoin de moi. Bon, détends-toi, Irène. Je suis certain qu'ils peuvent survivre quelques heures sans toi. Et vous, ça ne vous fait rien? Vous n'avez aucun sentiment? Mon beau-frère, Carlos Ernesto va très mal, vous savez. C'est un grand homme, un grand ami, et j'aimerais être là-bas avec lui, au lieu d'être ici, dans cette situation si désagréable. Ben, tu sais pas combien je regrette. Vous ne regrettez rien. C'est vrai. J'ai pas de quoi être désolé d'être ici avec toi. Fichez-moi la paix, s'il vous plaît. Tu sais, j'adore que tu te sentes dans l'obligation de me répondre à chaque fois que je te parle. Aussi, j'aime bien te voir si près. Et ton odeur. Je t'avais pas dit que j'adore ton odeur. Gardez vos distances, je vous en prie. Cet espace est très limité, alors ne me dérangez pas plus que ça. Très bien. Très bien. Je te demande pardon. Je sais pas, je voulais juste ne pas perdre l'occasion que tu me connaisses mieux. Que tu te rendes compte que je ne suis pas vraiment celui que les autres décrivent. Alors arrêtez de détruire votre plus belle opportunité. Ne soyez pas si crédule. La seule et unique personne qui m'a parlé de vous, c'est Leonardo. Et tout ce qu'il me dit est toujours vrai. C'est-à-dire que si on dit qu'un homme est innocent tant qu'on ne prouve pas le contraire, si Leonardo le condamne, pour toi, il n'y a pas de doute. Ça m'étonne de toi, Irène. Surtout après tout ce que tu as vécu avec ta sœur Virginia. Pourquoi vous parlez de ma famille? Qu'est-ce que vous savez sur ma sœur? Tu as vu sortir Irène de l'immeuble ou tu ne l'as pas vue? Écoute, Maribel, je ne l'ai pas vue et si je l'ai vue, je sais pas, je peux rien te garantir. Je ne passe pas la journée bloquée sur ces maudits moniteurs. Elle n'est pas dans son bureau. Est-ce que tu es sûr de toi? Oui. Oh, Tony, ce qui se passe, c'est que je suis très inquiète. Elle ne me répond pas au téléphone et du coup, je pensais qu'elle était là. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas ici. Tony, et tu veux vraiment pas me dire ce qu'Alejandra Altamirano t'a demandé comme service? Non, c'est quelque chose de personnel. Mais
tout à l'heure, tu voulais renoncer à ton travail. Oui, mais je ne veux plus démissionner. Tout va bien. Tout va bien. Mais ton visage ne montre pas que tout va bien. Mais tout va bien. Tout va bien. D'accord. Bon, ben, je vais devoir partir parce que je dois changer d'équipe. Ok. À bientôt. Maman, pourquoi ne vas pas-tu chez toi pour te reposer un petit peu, hein? Je reste ici avec mon frère. En plus, tu sais, demain, ils vont le mettre dans une autre chambre. Son état s'est amélioré. Oui. Tu me dis ça pour que je sois tranquille. Non, je te le dis très sérieusement, maman. S'il te plaît, va te reposer. Bah. Bon. D'accord. Mais s'il se passe quoi que ce soit, ou si jamais il se réveille... Maman, tu m'appelles, s'il te plaît. Je t'appellerai immédiatement, c'est ok. Mais je veux que ce soit toi qui me réponde. Je le ferai, je te répondrai, et tu peux être tranquille, car Irène va bien. T'inquiète pas. Et je dois te dire... Je dois te dire quelque chose que... Bon, Carlos Ernesto ne va pas bien. Maman, ce sont les médecins qui ont dit ça? Il y a un moment, le médecin m'a dit que les muscles qui dirigent le système respiratoire ne fonctionneront pas bien. Et une autre crise comme celle-là pourrait être fatale. Fiston, on doit prendre soin de ton frère. On doit donc garder un œil sur lui. Ce serait affreux si je me retrouvais... sans mon autre fils, je ne le supporterai pas. Je ne pourrai pas. Ah, mon Dieu, je ne pourrai pas. Ça dure une éternité. Au secours, à l'aide! Au secours, Irène, s'il vous plaît, Irène, aidez-nous. Écoute-moi, ça ne sert à rien de paniquer comme ça. Mais je dois sortir d'ici, je vais être avec ma famille, je vais être chez moi. Et je suis sûr qu'eux aussi veulent être avec toi. Ils ont remarqué que t'étais pas arrivé. C'est sûr, ils viendront te chercher. Et ils viendront avant les vigiles. Oui, ne me regarde pas comme ça. Je ne parlerai plus du manque d'efficacité de cette entreprise. Non, n'essayez pas de me toucher. T'inquiète pas, je veux juste que tu t'assoies un moment. On peut rester des heures ici, et le mieux est de se détendre. Viens. Allez, viens, assieds-toi. C'est bon, vous avez raison. On peut passer des heures ici, et je suis désespérée. Surtout de vous entendre parler. Moi, au contraire, je suis très content d'être ici avec toi. Pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo.
¿Para qué voy a decir que no te amo?